Mathieu, la sœur Marianne, le père Mamadou et le soi-disant pape qui a été d'ailleurs Mohamed. Un récit qui ne vise en aucun cas, je le précise, à le dédouaner des faits qu'il a commis, ni à minimiser leur gravité, mais à pointer les dérives possibles de ces procédures d'expulsion. Un récit conduit par Olivia Muller. On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe.